Rebonsoir YouTube. Alors, on vient juste de trancher une petite bestiole avec les lasers qu'on pensait pas qu'il serait de retour. Et franchement, ça sentait le roussi. Mais bon, apparemment, c'est plutôt la bestiole qui sent le roussi. Mais ça, bon, après, c'est son problème. Comme d'hab, si tu m'as parlé dans le vent, n'oublie pas que je suis sur Twitch. Et là, on va du coup aller vers le 7e chapitre de la campagne d'Ada. Qui d'ailleurs est beaucoup plus long que ce que je pensais. Merde. Bon, bah, le classico classique, on sauvegarde sur des choses qui ne voient pas. Mais bon, c'est pas important, mais voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir que c'est aussi long. Je pense sincèrement que le prochain chapitre est le dernier. Et... ta gueule X-Core. Donc je pense que c'est le dernier chapitre. Et après, il ne restera plus qu'à tester le vent de mercenaire avec Ada et Wesker. Et on pourra s'en aller. Le vent de mercenaire qui sera par contre dans une autre vidéo. Bon, on comprend comment elle a reçu le jet ski pour la fin. Si on s'en suit à la campagne de Léon, normalement on va combattre Sadler dans la chapelle. Léon se dirige vers leur sanctuaire. Je vais le rejoindre. Chapelle qui n'est pas très loin au passage. Et il y a encore pas mal de trésors. Moi aussi, t'imagines pas. Alors, qu'est-ce que t'as... Alors, je pense que c'est le dernier marchand, à mon avis. Comment ? Une autre fois. Je vais voir ce qui me manque. Ah non, merde, c'en est un avec 4 seulement. Okay. Bon, je vais mettre 4 couleurs. Et là, je vais mettre un jaune si possible. Bienvenue. Tac, voilà. Bienvenue. Oh, je suis prêt à payer un choix original. Oh, dans le... j'ai tout, j'espère te revoir. Voilà, on va les orner vite fait, si j'ai ce qu'il faut, ça c'est encore un autre problème. Hop. Et j'ai pas ce qu'il faut. Vous savez quoi, dans le doute, je vais garder mon argent au cas où j'aurais besoin d'un lance-roquette et que j'arrive pas à torcher le boss de fin. De toute façon, je pense qu'on croise encore un marchand puisqu'il y a des trésors en chemin. Mais dans le doute, pour l'instant, je vais rien utiliser, on sait jamais. Donc on va garder la tactique du noob, si jamais. Parce que je sais pas trop à quoi m'attendre contre Sadler. Dans le R4 d'origine, il était super dur. Donc je m'attends à pas moins. Super. Non, pas cette fois. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Chris, tu parles de la durée de vie? Si oui, bah moi je trouve qu'elle est plutôt bonne. Hein. Parce qu'au final, c'est plutôt cohérent avec le jeu principal. Eh oh! Eh oh! Eh oh! Re Laura, alors t'as eu des bugs ou pas? Oh putain, encore. Donc ouais, faut pas oublier que c'est basé aussi sur le jeu principal qui est quand même très long de base. Le jeu principal, si tu veux, c'est quoi? C'est une vingtaine d'heures. Donc là, tu vois, c'est quand même beaucoup moins. Un cauchemar en mode jean. Ah oui, d'accord. Pas mal ça.
Pas mal du tout. Je vais aussi bien fonctionner le Phasmo. Hein. Normalement, j'aurais fait une session de Phasmo peut-être demain, si l'Ice of Pi ne prend pas trop de temps. Mais vous me donnez vraiment pas envie de relancer le jeu. Je le dis franchement. Avec les milliards de bugs que vous avez, ça donne pas envie. Ah oui, ça par contre. Oh merde. Bon, moi maintenant tu sais comment jouer contre le Diogène, hein. C'est vrai que c'est... Ah, il y a de la poudre que j'ai pas vu. Mais c'est vrai que c'est abusé. Alors attendez, je vois pas mon chien. C'est bon. J'ai eu peur qu'elle faisait des bêtises. Non, mais tu sais, pas qu'à se mettre dans un coin pour faire des besoins, tu vois. Alors que j'ai sorti avant, on sait jamais. Je préfère l'avoir en visu, comme ça je suis sûr. Comme ça, si je vois qu'elle veut faire quelque chose, je la sors cash, tu vois. Comme ça, y a pas de problème. Alors la race, je pourrais même pas te dire, j'en sais rien. Mais c'est le chien de ma soeur à la base, mais comme elle peut pas s'en occuper pour l'instant, je l'ai. Je dirais que c'est un mélange d'un peu tout et n'importe quoi, voilà. Viré. Je pense, ouais. Ouais, c'est ce qui me paraîtrait plus logique, mais c'est pas la fin, je me coupe une couille. Hein. T'es annoncé. Mais honnêtement, c'est vraiment une agréable surprise, hein. Ça change d'origine. Extrêmement différent.
Ils ont fait un bon taf dessus et pour le prix, c'est encore... franchement, pour le prix, c'est encore plus étonnant d'ailleurs. J'y suis presque. Ils auraient pu vendre ça 20 balles, honnêtement, ça serait passé crème. Hein. Pourtant, ça coûte que 10 balles. Il y a encore un trésor là-bas, décidément. J'ai du mal à rester en place. Tu vas vraiment le faire, étranger. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Trésor ou babiole, ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, va. Oh, tu sais, Laura, il y a eu tellement de changements. Ça se trouve. Non, attends, je vais peut-être se regarder avant. De la qualité. C'est effectivement la fin du jeu d'origine, ça oui. Mais. Rien que de la qualité. C'est extrêmement différent, quoi. Et ça fait plaisir. Parce que Capcom, tu vois, ils auraient pu faire les feignasses et ne pas changer grand-chose, mais ils l'ont pas fait. Tant mieux. Après, oui, si on se passe au jeu d'origine, on est presque à la fin, parce qu'en fait, le jet ski que Léon utilise pour fuir, en fait, on l'a ramené là déjà. Donc Léon peut le prendre, en soi. Et là, on devrait normalement aller combattre Sadler dans la chapelle. Je vais surtout aller voir le marchand du coup, vu qu'on a le dernier trésor. Je pense que c'est le dernier tout court. Hein. Ouais, c'est le dernier. Du coup, je vais faire de l'optimisation. En fait, je vais... comment dire? Je vais améliorer une arme. Je vais améliorer laquelle? Je vais améliorer le sniper. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais vendre tout ça du coup. Étrangère. Tac. Oh, je suis prêt à payer une coquette somme. Pour... Non, sur 460 000, donc au cas où je vais garder au moins 160 000, je sais jamais. Je vais réparer le couteau. Et on améliore le sniper. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. On commence à bien. Voilà, comme ça on a un sniper qui tabasse. Reviens quand tu veux, surtout. Au niveau des balles, non, je sais pas ce que je pourrais fabriquer, donc je vais rien faire pour l'instant. Même Wesker, en fait, il est énormément présent, contrairement à l'original. Je me souviens que dans l'original, à part quelques talkie-walkie, franchement, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Là, il vient même nous faire chier physiquement sur place, et c'est cool. De s'unir à nous. Oh, qu'ils soient bénis, reçoivent la douce miséricorde. Exultons. Et qu'il en soit ainsi. Imagine, t'arrives dans un endroit et tu entends ça, tu te demandes, mais t'es atterri où? Je crois qu'il est pas commode. Hein. Un néo-récalcitrant, esclave du loup hérétique. Tu dois passer par l'épreuve et la souffrance. La souffrance. Je pense que c'est toi qui vas avoir mal. Insolente. Tiens. Waouh, calmos, monsieur. Et où?
Ça a pas l'air de très bien marcher. Hein. Oh non, pas cette attaque de merde. Je pense que ça va être compliqué. J'ai déjà plus de soins. Aïe, aïe, laisse-moi monter, je vais voir s'il y a un objet là-haut, bordel. Non, y'a rien. Bon. D'accord, je vois. Donc il peut attaquer depuis le sol. Bah, il va pas être commode ce con. Ça c'est sûr. Non mais l'autre tu peux pas, il bouge tout le temps. Merde, je suis plein. Pourquoi? Mais je peux même pas. Hop. Merde, je suis coincé là où je suis en fait. Oh tu vois, t'as pas le temps pour le dos. Ah, je pensais avoir appuyé. C'est ça qu'il faut toucher là, tu vois ce qu'il y a eu dans la tête là. Donc c'est bien ça qu'il faut faire. Hop. Il a vraiment pu me toucher alors que j'étais caché là. Par contre les grenades j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu. Très clairement, j'ai plus rien. Ça va pas être simple. En tout cas, il y a des moments en fait où il sort quelque chose de la bouche, il faut absolument le toucher. Et là, ça va. Je viens de savoir en fait si avec la flashbang on peut l'attaquer au couteau dans au niveau de la bouche. Là on l'a touché en tout cas, mais il n'a pas été rien de plus que ça. Ah mais j'ai appuyé. Il n'y a pas dû le valider. Il m'a vraiment touché à travers le mur là.
En tout cas, on a la stratégie, c'est sûr. Ça va, une fois que tu sais quoi faire, c'est pas trop dur au final. Là, il s'est fait massacrer comme une merde. J'ai le paquet, c'est bon. Je sais pas comment je vais expliquer ça à la douane, mais... Bon travail, Ada. Évacue immédiatement. Compris. Quelqu'un va venir te chercher. Occupe-toi plutôt de toi avant. Ça a fini comme dans un mauvais animé japonais plus 18, voyez-vous. Avec des tentacules. On n'en dira pas plus, hein. Ok. C'est le moment de conclure. Pas fini. J'ai plus de soin. Si j'ai un point, j'ai un spray, ça va. C'est exactement ce que je cherchais. Ça va paraître idiot, mais il y a plus de trésors, non? Non, on a juste raté ça, par contre, c'est pas grave. Faut que je me dépêche. Merde. Oh merde, oh merde. J'avais pas prévu ça. En colère, rien du tout. Non, 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 pas du tout. Stressé, ça oui. Non, on fait encore mieux, Chris, on détruit carrément l'île. Il y a toute l'île qui va disparaître. C'est où là? Oh,
Oh non. Bon, désolé, chat, hein, je suis pas très concentré là sur vous. Il y a un petit timer qui m'embête et j'ai pas envie de mourir. Hein. D'ailleurs, je viens de me rendre compte. Eh, hey, regardez le timer en haut. Et c'est pas des secondes en fait. Regardez. 35. 34, 33, c'est pas des secondes. Alors je sais pas si c'est un bug, mais il est trop long. Bon, au pire, si Léon explose, Laura, c'est pas grave. Il manquera à personne. Je vais me faire des ennemis en disant ça. On a aussi le temps de lire des documents, bien évidemment. Hein. Hein. Ne tapez pas le chat. Hein. Alors, lettre de remerciement. Major Krauser, merci infiniment pour votre commande. C'est un honneur et un privilège de vous compter parmi nos clients. Conformément à votre demande, six roquettes ont été renforcées pour percer des cibles lourdement blindées. Leurs têtes ont été peintes en rouge pour être plus facilement identifiables. Salut Bob et merci pour ton arc. Efficace non seulement contre les chars et les blockhouse, ces roquettes créent un jet de métal capable de perforer la coque d'un cuirassé. Leur puissance est telle que nous pouvons affirmer avec certitude qu'aucun véhicule de combat n'y résistera. Nous ne sommes pas en position de vous demander comment vous utiliserez ces armes et cela ne nous regarde pas, mais sachez qu'aucune cible ne saurait nécessiter une puissance de destruction aussi immense. Merci de les utiliser avec précaution. Newman Arms Corp. Regardez ce Léon, sans l'aide de Ada, il sait rien faire. Déjà dans Resident Evil 2, il s'est fait sauver par Ada, ce gros nul. Et vous aimez ce perso là? Oh là, moi je suis déçu, franchement. Honte à vous le chat, hein. Vraiment, hein. Ok, oh non, pas. Sauvé par la cinématique, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. C'est possible, je peux encore y arriver. Casse-toi, putain, toi. T'as pas qu'il me bloque le chemin.
Ah oui, elle est très très souple, Ada. Mais pas seulement dans les combats, mais ça, je laisse place à ton imagination. Je peux pas les tirer dessus, non, je peux pas. Ah, oh, je suis déçu. Qui n'a jamais rêvé de tirer sur Ashley, c'est vraiment. Ah, maintenant je peux ou pas? Non, je peux pas. Pas le droit. Ouais, elle est cool, franchement. Mais de manière générale, encore une fois, l'histoire de Ada, elle est 100 fois mieux que ce qu'il y avait sur l'original tout court. Hein. Clairement. Mais là, c'est que là, ça, t'as un timer, tu te bats vraiment au lieu de juste de fuir comme un con avec Léon. Ada, tu fais quoi? Le prends pas mal, Léon. Louis et moi avions un accord. T'en fais pas, j'en prendrai bien soin. Même en fait, le DLC il est long quoi, je veux dire. Enfin, ça me choque, hein. Mais agréablement choqué. L'hélico est là. Tu viens? Je crois qu'on sait tous les deux que c'est ici que mon chemin se sépare. Je vois. Bouger. 10 balles, écoute, c'est tout. 10 balles pour plus de 7 heures. Et encore, j'imagine qu'il y aura un mode professionnel à débloquer juste derrière, donc il y a de la rejouabilité. Et même si on compte pas la rejouabilité de base, le fait que ça dure plus de 7 heures à ce prix-là, sachant qu'il y a beaucoup de jeux d'aventure à la troisième personne, dont c'est la durée de vie. À 70 balles, j'ai envie de te dire. C'est très rentable. Surtout si tu compares comme ça. Passe-le-moi. J'ai obtenu l'ambre. Excellent. Ouais, j'ai tapé fort là, clairement. Juste une question. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Je ne te paie pas pour poser des questions. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'une nouvelle ère se profile. Une centaine de personnes mourront pour qu'une seule survive. Et moi, je suis le moteur de ce changement. On voit ça dans Resident Evil 5 où tu te fais défoncer, mon cher. On parle de millions de victimes. Milliards. Très ambitieux. On change de cap. Tout de suite. Oh, ce bon vieux thème de Ada d'Horizon 2002, ça fait quand même plaisir de le réentendre en soi. Mais ça va surtout parler aux vieux cons comme moi.
Et là, il nous reste encore autre chose à tester. Certes, on va sûrement débloquer le mode pro, mais ça, on le fera pas maintenant, mais je le ferai en stream, de toute façon. Parce que moi, j'aime bien être complétionniste, tu vois. Il y a encore autre chose à tester, c'est le mode mercenaire. Avec Ada et Wesker. Ce bateau, nous avions un bateau mystérieux sur la fin. Non, mais c'est Laura. Mais tu sais, ils ont fait tellement de changements qu'il y a de quoi se poser de questions des fois. Bon, ça, je pense qu'on est d'accord, on s'en fout. Hein. Pas très important. De quoi, Laurent B, tu te fous de ma gueule là, jeu de merde. Je méritais au moins Laurent S, la boue. 5 heures de jeu, et pourtant, il était 7 heures de live. Hein, donc. Ce temps n'est pas juste, hein, mes chers. Tab suivant. Ah. Son petit acte de rébellion ne change rien. Et puis, nous avons tout ce qu'il nous faut. On continue, comme prévu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il y a de nouvelles armes, effectivement. Je l'enregistrerai à deux endroits différents. Hop. Du coup, cher YouTube, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste encore se balader vite fait dans le New Game Plus pour voir les types d'armes qu'on aura en bonus. Je suis bien curieux d'ailleurs. Pourquoi j'ai reçu des tenues de Wesker et compagnie? Hein? Attendez voir, j'ai failli aller dans la boutique. Attends, ça, je vais être franc avec vous, ça m'intrigue un peu. D'accord, c'est vraiment dans la cinématique en fait. J'ai cru qu'on allait le jouer, mais non. Hein. Alors là, je vais juste aller en standard pour voir quelles sont les armes du marchand. Et on arrêtera la vidéo à cet endroit. Parce qu'évidemment, je vais pas faire en standard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mode professionnel. On y va. Suis-moi. C'est près d'ici ? Pas exactement, mais c'est un lieu sûr. Pas d'ambre, pas de deal. Yes, comme je le pensais. Comme avec Léon, en fait, on lui gagne plus, c'est un marchand dès le départ. Pour toi, mon ami. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Alors, il y a le lance-roquette infini. Ma marchandise est en parfait état. Et bah, c'est tout. Ah, je suis déçu. Ça aurait pu être mieux.
À moins que j'ai pas vu un achat spécifique dans la boutique. On va aller voir ça rapidement. Voyons voir. Il y a effectivement des armes à débloquer. Il y a deux armes à débloquer, mais malheureusement... il y en a une qu'on a foiré, puisqu'on a foiré deux roquettes. Hein, avec la tâche que nous sommes. Mais on le fera. Bien, YouTube, il est temps pour nous de vous laisser là. Et pour ceux que ça intéresse, on va encore faire une petite vidéo sur le mode mercenaire. Sur ce, à la prochaine. Et d'ailleurs, avant que je vous raconte des conneries, si vous voulez mon avis sur le DLC, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai adoré. Il est bien différent de l'original sur PS2. Et ça fait plaisir, ce n'est pas juste une... comment dire, une histoire alternative où on raconte un peu la même chose. Certes, ça reste la même base. Mais elle est clairement très enrichie tout autour et ça, c'est cool. Capcom a vraiment fait un bon boulot, donc Cap God. Voilà. Sur ce, à la prochaine, mes chers.